Alors, bonjour et bienvenue aux vidéos sur le chapitre 5, les surfaces de référence. Alors, ce chapitre-là est en fait un peu un résumé du cours de travaux d'atelier parce qu'on a déjà abordé ce concept-là, mais vraiment, là, on va venir beaucoup bonifier. Les surfaces de référence nous permettent en fait d'établir les cotes, les distances, mais aussi les concepts de parallélisme, perpendicularité, l'angularité, etc. Bref, les surfaces de référence sont absolument essentielles, tant dans fabrication que dans l'assemblage que dans l'inspection. On a aussi dit dans le cours de travaux d'atelier que les surfaces de référence doivent être le plus parfaites possible. On s'entend que l'ensemble des codes du dessin dépendent beaucoup de la qualité de ces surfaces-là. Chapitre 5.1, le rappel sur l'isostatisme. On a vu dans le cours de travaux d'atelier une vidéo notamment qui faisait office sur l'isostatisme. C'est un concept physique qui est essentiel dans le domaine de la science et du génie. Ça nous permet vraiment beaucoup de comprendre comment les mouvements peuvent être affectés dans l'espace. Chaque mouvement, en fait, qui peut affecter un objet dans l'espace est ce qu'on appelle un degré de liberté, ou un DDL, pour faire plus court. Si on regarde à la figure 30, on voit un objet quelconque qui est illustré dans l'axe des X, Y et Z, donc dans les trois dimensions, et on peut voir qu'il peut avoir six mouvements possibles. On a dit qu'il peut avoir une translation selon l'axe X, Y ou Z, ou des rotations autour de chacun de ces axes-là. Ces six mouvements-là nous permettent de mouvoir un objet dans tous les sens, n'importe où dans l'univers. Si on les bloque tous, on atteint ce qu'on appelle le concept d'isostatisme. Ça nous permet donc d'identifier les surfaces de référence et de comprendre la mobilité de la pièce dans l'espace et d'éliminer les mobilités inutiles ou même nuisibles. Dans la vidéo, on voyait un petit peu que le professeur enseignant, Jean, c'était sous forme de flèche, puis il disait que c'était comme des aimants. Fait que si vous devez faire une force outre mesure, dans le fond, il faut décoller l'aimant, on ne considère plus vraiment ça de l'isostatisme. Le point est que si on n'applique pas de force outre mesure, l'isostatisme permet de bloquer n'importe quelle pièce dans l'espace. C'est le même concept quand vous travaillez dans SolidWorks ou dans CATIA, puis vous réalisez les esquisses, les assemblages, les pièces, vous venez créer des contraintes, des distances, des contacts, la concentricité. En fait, ce que vous faites, c'est que vous venez créer le concept d'isostatisme dans l'espace de travail pour éviter que votre esquisse, notamment, bouge. Sauf dans le cas qu'on veut introduire un mouvement, donc un vecteur, vous voyez ça en physique, on doit compenser par ce qu'on appelle l'hyperstatisme, c'est-à-dire surcontraindre la pièce. Par exemple, lorsqu'on fraisait une pièce dans le cours de travaux d'atelier, elle doit être bien installée dans l'étau. Théoriquement, si elle était juste installée, on serait en phase d'isostatisme, mais on venait surtout serrer l'étau et on s'assurait que c'était hyperstatique. On a vu que si le bloc était mal serré et qu'on intégrait un mouvement de la fraise, donc un vecteur, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y avait des chances que la pièce sorte de l'étau, ce qui pouvait être très dangereux. Par contre, il faut faire vraiment attention lorsqu'on applique le concept d'hyperstatisme, parce qu'après, ça devient assez difficile de déterminer quelles sont les réelles surfaces primaires, secondaires ou tertiaires. On peut rarement mesurer la force sur un axe ou un autre axe qui nous permettrait de déterminer quelle est la primaire, la secondaire ou la tertiaire. Chapitre 5.2, le concept primaire, secondaire ou tertiaire. Ben, pour obtenir un état d'isostatisme, on a besoin de trois éléments de référence. En général, il s'agit d'une surface. Mais il est aussi possible d'utiliser plein d'autres affaires. On parlait notamment des arêtes, des axes, des sommets, des points, le centre d'un trou, etc. Nous appelons donc les surfaces de référence ou éléments de référence. En général, on utilise dans les dessins les lettres ABC, mais il y a d'autres systèmes d'identification qui peuvent être utilisés. Ça dépend de l'entreprise pour qui vous travaillez. La surface primaire, A, est souvent la plus importante. C'est elle qui va toujours bloquer 3 degrés de liberté, souvent 2 rotations et une translation. La surface B va toujours bloquer 2 degrés de liberté. Ça va souvent être une translation et la dernière rotation restante. Puis finalement, la surface tertiaire C va bloquer 1 degré de liberté. Il s'agit généralement de la translation qui va être restante. Dans certaines occasions, la surface primaire peut bloquer 4 DDL et les surfaces secondaires et tertiaires en bloqueront un chaque. C'est un cas notamment des surfaces de référence courbées. C'est très, très populaire en fait dans le domaine des matériaux composites, là. Si vous travaillez avec des tubes, des ci, des ça, il peut arriver que la première bloque 4 DDL, là. Mais en général, on est à 3, 2 et 1 respectivement pour les surfaces A, B et C. Quand vous choisissez votre surface de référence, ça doit être choisi avec soin. Celle qui nous indique comment fabriquer, comment inspecter ou comment assembler une pièce. En ce sens, il va toujours être recommandé d'utiliser les surfaces tangibles et non des axes qui sont invisibles, des sommets ou des arêtes. C'est beaucoup plus facile de s'appuyer sur une surface que sur un axe de symétrie qu'on ne voit pas et qui n'est pas applicable. Ça a l'air niaiseux, mais c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de technologues ou d'ingénieurs qui sont des gens qui ont peu ou pas travaillé en fabrication qui vont appliquer des surfaces justement, comme notamment justement des axes de symétrie.
Il y a beaucoup de pièces en composite qui sont faites comme ça et ça devient très, très difficile lorsqu'on fait de l'inspection. Dans le cours de travaux d'atelier aussi, on avait assumé qu'une surface de référence, c'était parfait. Dans le cas des pièces en matériaux composites, on doit toujours sélectionner une surface moule et non une surface laminée. La raison est que, ben, vous le savez, vous avez déjà fait du laminage, vous en avez fait avec Mathieu dans votre cours laminage au contact. La surface moule va souvent être relativement lisse, va être beaucoup plus uniforme, versus la surface que vous avez laminée. La surface laminée est souvent raboteuse, c'est donc une surface qui est vraiment pas fiable. On ne peut pas l'utiliser comme référence. C'est aussi important d'éviter, si possible, les arêtes coupées et les axes de symétrie. Surtout dans les pièces en composite, c'est important. Les arêtes coupées sont souvent pas parfaitement droites, sont rarement fraisées. Elles sont aussi souvent poreuses, parce qu'on le rappelle, c'est un matériau composé de plusieurs éléments, donc on risque d'avoir des porosités en surface ou des porosités sur l'arête, ce qui va faire beaucoup plus complexe quand on va vouloir s'appuyer là-dessus. Les axes de symétrie, comme je disais, là, c'est souvent la pire affaire sur la planète, mais beaucoup de pièces en composite vont avoir une référence, un datum d'axe de symétrie. Donc, si possible, essayez d'éviter. Bref, quand vous choisissez vos surfaces de référence, ça demande vraiment une réflexion importante parce que ça va influencer beaucoup des opérations, tant dans la fabrication que dans l'inspection de la pièce. 5.3, les types de surfaces de référence. Donc, j'ai mentionné dans la dernière section que la sélection, ça demande beaucoup de réflexion parce que ça va influencer bien des étapes dans la vie de la pièce. On voit ici, dans cette section-là, différents types de surfaces de référence. 5.3.1, les surfaces de référence de fabrication. Ces surfaces sont présentes dans l'ensemble des plans des pièces à fabriquer. Elles vont nous indiquer comment fabriquer l'objet en question en nous indiquant comment installer la pièce dans l'étau, notamment, et sur quoi se fier pour la position des différents éléments de fabrication. On va prendre l'exemple suivant. Je veux percer le trou du dessus sur le bloc d'aluminium. Vous pourrez remarquer que c'est en fait le jack 03 que vous avez fait vous-même dans le cadre du cours de travaux d'atelier. Selon le plan, les surfaces de référence pour le perçage du trou seront donc la surface A, qui va être la primaire. On voit que c'est la première qui va être affichée dans la boîte de tolérancement dimensionnel. La E, qui va être la secondaire. Et puis finalement, la tertiaire. On va donc installer maintenant notre pièce dans l'étau. On a dit que la surface A était la référence primaire et on a dit un peu plus tôt que la surface primaire, c'est elle qui va bloquer 3 degrés de liberté. Alors, pour bloquer 3 degrés de liberté, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit assise dans le fond de l'étau. On se rappelle, on n'assit jamais une pièce dans le fond d'un étau, on utilise toujours les cales parallèles, mais le point est que la surface A va donc être elle qui va être en contact avec les cales parallèles. C'est elle qui va bloquer, comme je disais, 3 degrés de liberté. On peut les voir ici, selon, mettons, les axes X, Y et Z, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va bloquer la translation en Z. Elle va bloquer la rotation par rapport à X et elle va bloquer la rotation par rapport à Y. Si maintenant on se réfère à notre plan, on disait que la surface secondaire était la surface E. Ça veut dire qu'on doit bloquer 2 degrés de liberté. Quand on a une surface secondaire, on va toujours l'appuyer directement sur le mort fixe de l'étau. Ça va donc bloquer la translation en Y et puis finalement la rotation par rapport à Z. Finalement, la surface tertiaire va nous indiquer qu'on doit bloquer le degré de liberté restant. Or, dans l'étau, on s'entend, on peut voir que finalement, c'est un peu comme une pince. C'est impossible de bloquer la surface C, théoriquement. On doit donc utiliser la surface F comme tertiaire. Par contre, pour s'assurer que cette surface reste tertiaire et qu'elle ne bloque que le degré de liberté suivant, on va insérer un bloc de bois déformable, chose que vous avez faite beaucoup, entre le bloc et le mort mobile. Ça va donc nous permettre de bloquer la translation en X en étant en relation d'hyperstatisme. Théoriquement, le bloc ne devrait pas bouger lors de l'opération d'usinage, parce qu'il n'est pas immobilisé par isostatisme, mais par hyperstatisme. On s'entend, la translation en X n'est pas bloquée à proprement parler. Il faut donc faire très attention, il faut considérer que nous sommes donc en hyperstatisme et pas théoriquement en isostatisme. 5.3.2, les surfaces de référence d'inspection ou les surfaces de référence de métrologie. Les surfaces de référence d'inspection sont souvent les mêmes que les surfaces de référence de fabrication ou d'assemblage. Dans certains cas, il est possible aussi d'ajouter dans le plan de contrôle une mesure par rapport à une autre référence au dessin. Notamment, on peut reprendre l'exemple du jack 03 que vous avez fait quand que vous l'avez inspecté et que vous avez fait votre inspection par rapport au plan de contrôle. Notamment, la position du trou, c'est important de la mesurer par rapport aux mêmes références que vous l'avez fabriquées. En ce sens, les surfaces de référence d'inspection pour cette pièce-là étaient exactement les mêmes surfaces de référence que celles de fabrication. Chapitre 5.3.3, surfaces de référence d'assemblage. Les surfaces de référence d'assemblage ne sont pas obligatoires si le positionnement des éléments est implicite. Par exemple, si je dois mettre une vis dans un trou fileté, j'ai pas vraiment le choix de mettre la vis ailleurs que dans le trou. Sauf que
Lorsque j'unis des éléments avec d'autres méthodes, fait quelque chose qui n'est pas implicite, on peut donner comme exemple en soudage ou en collage, ben j'ai pas vraiment le choix de déterminer les surfaces de référence qui vont être propres à l'assemblage lui-même. Les surfaces de référence d'assemblage servent plus d'éléments de localisation que de blocage. C'est important de se rappeler ça. Ça va nous permettre de nous localiser et pas nécessairement de nous bloquer. À la figure 34, on voit un plan d'assemblage d'une échelle qui serait exemple soudée. On verrait l'échelle qui a une vue de face, qui mesurait 550, disons, centimètres pour l'exercice. C'est pas réellement important. Donc, imaginons ça. On voit qu'il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément 1 qui a deux reprises et il y a l'élément 2 qui a cinq reprises. On peut voir que le positionnement des barreaux, donc l'élément 2 qu'on voit cinq reprises, doit être établi par rapport à des surfaces de référence qui sont propres à l'assemblage. C'est pas nécessairement la même surface de référence pour la fabrication de l'élément 1. Donc, à l'assemblage, il y a des surfaces de référence qui sont propres à elle. Évidemment, les surfaces d'assemblage ne sont pas nécessairement les mêmes, mais on doit quand même s'assurer qu'ils sont, je ne veux pas dire parfaites, mais qu'ils sont quand même de bonne qualité. 5.3.4, les surfaces de référence d'utilisation. Lorsqu'on fait la conception d'outillage, on commence toujours par déterminer les surfaces de référence qu'on va utiliser. La première chose à faire, ça va être de se poser quelques questions comme comment est-ce que je vais positionner mon gabarit sur ma pièce? Sur quelle surface de la pièce est-ce que mon gabarit peut se fier? Est-ce que mon gabarit va être isostatique? Quels degrés de liberté sont bloqués et lesquels doivent l'être? Parce que dans certains cas, ils peuvent être bloqués, mais ils ne sont pas nécessaires ou ils devraient l'être, mais ils ne sont pas. Ces diverses questions nous permettent vraiment d'établir les surfaces importantes, donc les surfaces primaires, secondaires et tertiaires d'un gabarit. Ça permet aussi d'établir des tolérances sensées en fonction de l'utilisation, mais aussi en fonction de la méthode de fabrication. Une fois les références d'utilisation établies, ça va donc nous aider à déterminer rapidement les surfaces de référence pour notre assemblage, mais aussi pour la fabrication des pièces individuelles, donc les pièces qui sont comportées dans l'assemblage. On va regarder un exemple parce que j'avoue que ça peut être un petit peu complexe. On va regarder un exemple pour un gabarit de perçage pour le positionnement d'un aileron de surf. D'accord? Fait qu'on a ici une pièce qui est un surf et on veut venir insérer les ailettes. On doit donc percer 6 trous. On peut voir donc que la surface primaire, ça veut dire que la surface qui va être la plus importante, donc la plus grosse surface d'appui, va être la surface qui est illustrée en bleu sur la pièce. Et ça va représenter la surface que j'ai mis en bleu-ish, là, ou en turquoise, sur le gabarit. C'est donc la surface primaire d'utilisation du gabarit et cette surface-là va bloquer 3 degrés de liberté. C'est donc le dessous du gabarit qui offre la plus grande surface de contact. C'est donc la surface A. Il est donc primordial que cette surface-là, comme elle bloque 3 degrés de liberté, c'est elle qui a besoin d'avoir une surface impeccable pour avoir une bonne stabilité lors du perçage des trous. C'est super important. Si on regarde à la figure 36, on va déterminer la surface secondaire. La surface secondaire, on rappelle, c'est elle qui va bloquer 2 degrés de liberté. Si on regarde notre surf, qu'est-ce qui va bloquer le gabarit lors du perçage? Mais on peut remarquer que l'arête latérale est relativement importante. En ce sens, c'est elle qui va bloquer une autre partie de notre gabarit, ce qui va nous rapprocher de notre état d'isostatisme. On a donc identifié la deuxième surface de référence. Et puis finalement, si on regarde, on va être capable de déterminer que la seule chose qui reste, donc là, si mettons on avait juste les deux premiers items, ils pourraient littéralement glisser encore dans un axe, ce qui ne nous assurerait pas nécessairement de la bonne position des ailerons. Alors finalement, le bout du surf serait donc la surface qui bloquerait le dernier degré de liberté. C'est ce qui est représenté notamment en bleu sur le gabarit. Bon, maintenant pour la partie exercice, nous allons simuler la fabrication d'un porte-banane. On voit ici que c'est un porte-banane relativement simpliste. Alors, on va étudier un peu l'assemblage. Le premier assemblage est en fait l'assemblage entre le crochet et la partie qui supporte les bananes. On peut voir que pour pouvoir installer le petit crochet, il va falloir faire un trou dans la pièce. Il va falloir donc pré-percer. En ce sens, comme le trou va être déjà localisé sur la pièce, quand on va arriver à l'assemblage, ça va être un assemblage implicite. On ne peut pas aller plus à gauche, plus à droite. Il faut visser le crochet dans le trou qui est pré-percé. Si on regarde la deuxième section, fait que la section entre la base et la section qui porte les bananes, on peut voir, en regardant attentivement, que c'est un assemblage par collage. Par conséquent, vu qu'on a un assemblage par collage, il va falloir établir des surfaces de référence d'assemblage. On peut donc voir à cette diapositive-là que nous avons un plan d'assemblage de notre porte-banane.
L'item numéro 1 étant la base, le numéro 2 étant le porte-banane et le numéro 3, le crochet. Comment est-ce qu'on va être capable de localiser notre élément 2 par rapport à la base? Va falloir donc déterminer les surfaces de référence d'assemblage. Il y a plusieurs options, on va les étudier une par une. L'option numéro 1, ça serait par son centre. On peut voir que c'est une option qui est peu ou pas recommandable parce qu'elle se fie aux axes centraux, notamment de l'élément numéro 2, pour pouvoir le positionner. Les axes centraux sont des références qui sont plus ou moins viables, considérant le fait qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. C'est donc difficile de pouvoir aligner le centre par rapport au centre, qui sont finalement deux axes qui sont non réels. L'option 1 est donc à proscrire. On pourrait maintenant y aller avec l'option 2, qui serait par son centre et par un bord. Cette option-là serait un peu plus sensée que l'option 1, mais reste que le centre dans l'axe des X reste une référence non fiable. Et la deuxième, plus ou moins fiable aussi, parce que finalement, si on regarde la vue du dessus de l'item numéro 2, la partie qui est la plus proche vers le bas est en fait très haute en altitude. Par conséquent, on ne va pas être assis sur la base pour pouvoir se localiser. Fait que l'option 2 n'est pas réellement une option intéressante. Finalement, si on y va pour l'option 3, ça va être par deux bords qui vont être appuyables et réels. Donc l'option 3 serait la plus intéressante pour pouvoir venir positionner notre élément 2 par rapport à l'élément 1. Ce qui donnerait le plan comme ceci, avec une cotation ordinale. Imaginons donc que dans l'axe des X, nous avons 100, dans l'axe des Y, 100. Le petit élément numéro 2 va donc être à 15 par rapport à l'axe des Y et à 45 par rapport à l'axe des X. On voit que les deux zéros sont positionnés, c'est donc l'origine en haut à gauche de notre pièce. Par conséquent, les surfaces B et C vont donc être la surface notamment du haut et la surface gauche. On aurait pu inverser B et C, là, il n'y a pas réellement d'incidence par rapport à ça, là. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Au niveau de la surface primaire, ça va être la surface qu'on va pouvoir s'appuyer dessus. C'est quand même important de faire la distinction que pour pouvoir venir faire notre collage, on va s'appuyer sur le dessus de la base et pas sur le dessous. En ce sens, la surface A ne peut pas se permettre d'être en dessous de la pièce, mais elle doit être sur le dessus. De plus, en mettant la surface A comme ça, c'est qu'on réfléchit que si on utilise un gabarit de positionnement de collage éventuellement, la surface A va être la surface de référence primaire de notre gabarit et ça va être la surface d'appui la plus importante. Fait que mettre A sur le dessus de la plaque, c'est une bonne stratégie et le mettre en dessous serait une mauvaise stratégie. Ensuite, pour le suite de l'exemple, on va continuer, mais on va faire les éléments de référence de fabrication de l'item numéro 1. Attention, on fait de la surface de référence de fabrication. En ce sens, si c'est de la fabrication, on doit utiliser le concept des degrés de liberté pour fabriquer isostatisme. Quelles sont les options à envisager? On pourrait y aller avec l'option 1, qui serait d'utiliser les mêmes surfaces de référence que l'assemblage. Donc, j'ai repris exactement la même chose, sauf que j'ai retiré la section assemblage. On peut voir que la surface B et C sont exactement les mêmes avec le concept de cote ordinale. Et puis, j'ai laissé la surface A sur le dessus de la pièce. Si on réfléchirait pas outre mesure, ça voudrait dire que le dessus de notre pièce, c'est elle qui doit bloquer 3 degrés de liberté. Par conséquent, ça serait plutôt difficile de pouvoir venir installer notre truc et faire les chanfreins de 10 partout. En ce sens, c'est pas une réelle bonne stratégie d'utiliser exactement les mêmes surfaces de référence que l'assemblage. L'option qui serait la plus intéressante, ça serait d'utiliser une partie de celle de l'assemblage qui va nous assurer que la surface B et C vont rester les mêmes. Donc, lorsqu'on va venir assembler, on sait que ces surfaces-là vont être de bonne qualité. Puis, on va utiliser la surface primaire comme le dessous de la plaque. C'est elle qu'on va mettre sur le dessous. Par conséquent, on va bloquer 3 degrés de liberté et on va pouvoir fabriquer notre pièce de cette façon-là. Donc, on peut voir que au niveau de la fabrication et au niveau de l'assemblage, la surface primaire est donc différente entre les deux. C'est ce qui conclut donc notre chapitre 5 sur les surfaces de référence. J'espère que vous avez appris et pratiqué quelque peu. On se voit au prochain vidéo qui va être sur le chapitre 7. Ha. Chou. Yeah. Ha. Oh, baby. Yeah. Yeah.